On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On a de la chance aujourd'hui. On a du temps, pas trop mal. Super. On nous avait prévu beaucoup de pluie. J'ai amené une housse pour le caméscope au cas où. Donc j'espère qu'on aura quand même du beau temps et de jolies découvertes dans cette nouvelle autorisation. C'est un très joli domaine ici qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure de notre prospection, évidemment. Voilà, c'est parti. On y va, nous? On y va. Allez, go. Go. Cible juste ici, j'appelle Jérôme. Vous entendez ce son très court? Voilà, et quelle première découverte! J'appelle Jérôme, je dis viens voir, regardez-moi ça. Je vais la nettoyer dans le gond. C'est de l'argent et c'est du blanc. C'est une napoléonienne. Oh, elle est belle! Je vais vous faire un gros plan. On va la poser et je vais vous faire un gros plan de cette monnaie. Superbe, regardez-moi ça. On va la poser, j'ai amené ce qu'il fallait. Hop, si j'ai pas laissé. Voilà, on va poser ça là-dessus, ça va être plus facile pour vous faire les mises au point. Et alors ça, c'est une première découverte qui me plaît bien. Allez, un petit zoom là-dessus. Regardez-moi ça, comme elle est belle. On va la tourner. Napoléon III, oh, elle est superbe, elle est un peu passée. C'est quoi ça, 1868 1866, celle-ci peut-être. Ah, t'es trop près, Jérôme, voilà. Regardez-moi cette belle monnaie, oh, extra. Allez, première découverte. Je disais à Jérôme, j'aime pas trouver une première découverte tout de suite très belle, parce qu'après, on ne trouve plus rien. J'espère que ça ne va pas être le cas, donc on continue forcément. J'ai mon trou ici où j'ai fait cette très belle blanche, cette belle napoléonienne. J'ai un son qui fuit ici. Jérôme, je vais le creuser. C'est sorti, j'ai mis un coup de pelle, j'ai dégagé, regardez. Alors on va faire toute la zone là, on a peut-être bien une boursée de blanche. Ça commence pas mal cette histoire, Jérôme, ouais, t'en penses? Super. Regardez-moi ça. Alors, on a regardé tout à l'heure, hein, c'est bien 1866 sur l'autre. Ah, elle est bizarre celle-ci. C'est pas Napoléon. Ah, c'est... C'est du Georges. Incroyable. Georges fait que nous suivre. Je suis même pas certain. Allez, on va essayer de faire. On va essayer de se mettre à la clarté. Et de s'améliorer sur les prises de vue, c'est ce qu'on... Beaucoup de personnes me l'ont dit. Regardez-moi ça, comme elle est belle cette monnaie. Oh, superbe, deuxième blanche, allez. Ah, même pas à un mètre l'une de l'autre. Donc forcément... On va continuer, je vais passer mon détecteur. En direct. En direct. On va passer un coup de détecteur encore, là, si on entend. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et on va voir. C'était un son fuyant, un petit peu plus profond que la première. Allez, je pense que là... Incroyable, on vient d'arriver là. Hein. Deux premiers sons de blanche. Ça, ça promet, c'est vraiment des débuts comme j'aime. Allez voir Jérôme, moi je fais du blanc, lui il fait dans le vert. Allez, une jolie patine en tout cas, regardez ça.
Ah superbe, elle est belle quand même. C'est pas une Napoléon ça? Si. On va se mettre là. On voit l'aigle. Allez, bouge plus, regardez ça. On va la tourner. Frotte un tout petit peu. Allez, c'est bien ça. C'est sûr? C'est bien ça, c'est une Napoléon. Allez, c'est une napoléonienne. Hop. Allez, on continue. Nickel. C'est parti? Oui. C'est parti. Vous voyez, j'étais tenace et pugnace, comme on dit chez nous. J'ai continué, malgré tout, de faire cette zone où on a fait ces deux jolies blanches. Regardez ce que je sors ici. C'est une troisième, mais c'est une plus petite. Je vais vous la montrer. Regardez ça. Et c'est une petite napoléonienne. Et c'est toujours du blanc incroyable. Je crois que je suis dans une zone où c'est une boursée qui a été perdue. 50 cents. Allez, on va la mettre comme ça. On va la poser. On va vous faire les comment. Les prises de vue sur un. Voilà, sur un support c'est plus simple parce que on m'a dit qu'on les voyait pas toujours bien. Donc ça va être plus facile pour vous. Voilà, au niveau d'un support. Regardez ça comme elle est jolie cette pièce. Je vous ferai évidemment une très très belle photo. On va la tourner. Ah, superbe. Moi quand je vois ça, ça me rend dingo. Hein. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Voilà, extra. Reculez un peu, Jérôme, t'es trop près. Superbe. Allez, je vous ferai une jolie photo. Et on va continuer, évidemment, avec le sourire. C'est parti. Je me moquais de Jérôme, je lui disais... Moi je prends les blanches, je te laisse les vertes. Regardez, mauvais joueur. Il fait une blanche là, j'en reviens pas, je rêve. Mais il y en a partout. Incroyable. On est tombé sur une zone. 64 c'est là. Extraordinaire. Allez, on va la poser et faire une jolie prise de vue justement. Oh superbe, regardez comme elle est belle cette monnaie. Elle va être magnifique aussi celle-ci. Incroyable. C'est fou ça, Jérôme, là. Ah, fallait pas la toucher. Ah, excuse-moi, je voulais la si retourner. Je fais une prise de vue pour que tu touches, bon, remets-moi ça sur... en place. En plus, tu la mets pas du bon côté, j'avais commencé. C'est une 50. Allez, je vais vous faire une jolie prise de vue là-dessus. Oh, regardez comme elle est belle, cette pièce. 1864. Allez, on va la tourner, ce coup-ci. On va vous montrer l'empereur. Moi je l'aime bien couleur argent, l'empereur. Pour toi Jérôme? Oui. Hein? Avec une couronne de lys sur la tête, elles sont pas mal aussi. Oui, ou de laurier. De laurier, ouais. Plutôt. Ah oh, super, regardez ça. Magnifique. On fera un beau nettoyage évidemment. Et on va continuer dans cette zone incroyable. Là, on est vraiment dans une zone, regardez. C'est beau comme tout. On a tout qui est réuni, mais on a le temps qui commence à se couvrir aussi. Donc j'espère que la pluie viendra pas gâcher. De toute façon, même s'il pleut, on creuse quand même. Et j'ai amené une double paire de chaussettes. Parce que je lui ai prêté des chaussettes la dernière fois, c'est pour ça. Ici, j'ai perdu Jérôme avec un très joli son ici, et c'est une monnaie que je vais venir vous montrer tout de suite. Allez, c'est une 1 franc et c'est une 1 franc Francisque de 43. Je vous la montre. Voilà, extra. Ça prouve qu'on a eu beaucoup de mouvements ici. Donc j'ai perdu Jérôme, il est parti dans le bout là-bas, je crois qu'il doit être fâché un peu.
Donc je vais continuer évidemment. Quand on trouve ça, il y a vraiment eu beaucoup d'activités ici, vous voyez, incroyable. On va avoir le sourire toute la journée. Ça y est, la pluie s'est mise à tomber. Un son, un très joli son là. Regardez le trou que je viens de faire. Et c'est là que ça se passe. Donc j'espère que vous aurez de belles images. Belles images parce que là, Jérôme, il est avec le... on a un protège pour le caméscope, mais il a l'air fantastique quand même ce protège. Alors elle est où ma brosse, moi? Elle est là. Regardez, c'est une décoration. Oh, super, regardez-moi ça. Et on va le faire assez vite parce que moi, je peux vous dire qu'il pleut. Je la pose là. Non, non, prends-la dans ta main parce que ça va faire trop bas, j'ai trépied, ma dame. Là, ah, ben, je l'ai bien. Vous voyez comme c'est joli ça? Allez. Allez, on fera une belle photo là-dessus. On a et tout puis, ce travail à faire. Jérôme là-bas. Va aller chercher sa parka parce que là, je peux vous dire que ça tombe. On continue, évidemment. Regardez, joli scarabée. Un scarabée? Oh, je pense. Regardez la couleur bleue. Incroyable cette couleur. Hein. Mm. Juste sous son ventre. Je ne vais pas vous faire un gros plan parce que ma caméra est carrément. Attends, j'essaie de le mettre deux. Dans ça. Je vais le mettre. Pousse. Oh. On a une pluie là, c'est voilà. Du tonnerre. Regarde, David. Regardez la couleur. Tu l'as bien? Voilà, incroyable. Ce bleu, vous avez vu ce bleu? Allez, on va le laisser en paix. On va continuer le long de ce chemin. On est toujours dans notre chemin, moi et Jérôme. Ou Jérôme et moi, comme vous voulez. Ah, allez, c'est là que ça se passe. Ou toi et moi. Toi et moi, contre ouais. Le monde ouais. Entier. David qui dit souvent Jérôme, mais c'est vrai, tu parles pas de toi. Ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un de discret. Allez, montre-nous ça. Regardez ce qu'il nous fait justement Jérôme. Alors ça... Les agrafes. Oui, c'était, ça crochetait sur quelque chose. Bon, après, c'est... Mais quoi donc? Laissez-nous des habits, tiens, regardez ça. Peut-être qu'au nettoyage, tu arriveras à voir... Voilà, je vous ferai un bon nettoyage là-dessus. Bouge pas. Bouge pas, Jérôme. Ouais, c'est lourd. Je vous ferai un... Moi, je vous ferai un bon nettoyage et puis on verra ce que ça donne. Voilà, pas très profond, mais en tout cas, on a joli de... On a de jolis bolets ici, champignons, des cèpes et tout, il y en a plein. Un domaine incroyable ici. On ne crèvera pas de faim. On va pas mourir de faim? Non. Allez, on continue. On va aller voir Jérôme qui vient de me crier. Je viens de trouver un étui d'épée. Ah, donc on fonce. Oh, il est super. Alors? Magnifique. Je vais le brosser. Ah bah vas-y, profite. Oh, super. Regardez ça. Oh. Regarde ça. Regardez ces jolis décors là-dessus. Oh. Ce qu'il tient à la main. Ce qu'il tient à la main. Oh là là là. Superbe. Ah, oh, il est pas entier là. Ah, oh, il est magnifique. Dommage. Oh, oh là là. Superbe. Hein. Quelle année ça, David? Je ne sais pas. 2019. On va continuer. On est un peu fatigué là. On a les nerfs qui lâchent. Allez, c'est un joli. Oh, bah, tiens. Ah, bah, c'était un joli. On va continuer. On est toujours dans le chemin. On vient d'entendre. Je ne sais pas. On pense que c'est
un chevreuil qui devait se promener là, ça galopait à fond. En même temps, ils sont chez eux. Regardez-moi la taille de ce chêne. Il a un pied énorme. Regardez-moi ce diamètre. C'est complètement dingo. Allez, après ce joli glaive que M. Jérôme nous a fait, c'est là que ça se passe. Oh, c'est pas... C'est une décoration. Ouais, mais on va la faire. On l'a fait ? Allez, brosse nous ça. J'aime bien regarder. L'épée, elle est là. Ouais. On dépollue, hein ? Ah, oui, on dépollue. Hein. Alors. Pardon. Ah, c'est joli. Pose ça sur... Regarde, même dans le haut, il y a des... Regarde. Ouais, je vois d'ici. Il y a de jolies décorations. Ah, du... Quelle couleur je te mets ? Oui, là, c'est très bien. Allez. Ne bouge pas. Regardez comme c'est joli, ça. Avec de beaux décors là-dessus. Superbe. On prend une photo. Vous laisserez des commentaires. Voilà, on navigue entre les averses. On a bien marché là, je peux vous assurer. On fait beaucoup de trous. On trouve beaucoup de déchets, mais on aime ça. La pluie s'est arrêtée, un son ici. Et ça, on aime bien quand ça claque de cette façon-là. Elle est assez profond, mine de rien. Regardez. C'est une coquille Saint-Jacques. C'est une Saint-Jacques. C'est une Saint-Jacques. Ou ceux qui faisaient le pèlerinage. Le pèlerinage, exactement. On va la brosser. On va la poser après et vous faire un joli. Ah, elle est belle, regardez ça. Il y a du jaune dessus. Il y a du jaune, oui. Allez, c'est à moitié jaune. Il ne manque plus qu'une moitié de jaune à faire et on aura du jaune. Ah, elle devait vraiment être très belle. C'était une, sur une canne, c'est ça, non? Je vais vous laisser, Jérôme, vous faire un gros plan là-dessus. Regardez comme elle est belle. Voilà, extra. Pas trop près, Jérôme. Voilà, nickel, et c'est creux derrière. Oui, souvent c'était mis sur une canne. Sur une canne, le haut de la canne. Le haut de la canne, ouais. Pour marcher. Extra en tout cas, voilà une jolie découverte. Moi j'aime bien ce genre de découverte. C'est toujours sympa quand on fait de jolies trouvailles comme ça. Voilà, mettre ça dans la boîte et puis on va continuer un petit peu dans ce secteur. Regardez, on a vraiment de quoi faire. Hein. Je crois qu'on n'a même pas fait le quart du quart du quart du quart du quart du quart. Hein. Ça se dit tout ça? Oh, j'en sais rien si ça se dit, mais en tout cas, on a du boulot ici. Allez, c'est reparti. Allez. On est content, vous voyez, les cours d'eau remontent avec la pluie qui fait du bien au sol. Allez, en tout cas, Jérôme, lui, il trouve des choses dans le sol. Les et ob... c'est joli, c'est là, une... On est retourné dans les objets. On revient dans les objets. Ouais. Oui. Après cette belle coquille de Compostelle. Je pense qu'on va avoir des beaux trucs là. Oh, oui. Oh, super, c'est une charnière. Ah, t'es toujours dans les portes en fait. Ouais, mais je sais pas si c'est une charnière. Là. Non. Ah, c'est peut-être des décos qui se mettent sur les portes. Tu sais? Ouais, autour des charnières. Oh, super. Voilà. C'est une gueule là. Magnifique. Mets-la par terre. Alors, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il y en a des petites pointes là, deux là. Oh, elle est belle. On va la mettre là, on va vous faire un joli plan là-dessus. Regardez. Hop. Elle est très très belle. Regardez-moi ces décorations. Superbe. Beau nettoyage. Voilà, et on continue le long de ce chemin. Je suis un petit peu devant moi avec mon matériel.
Et on y retourne. Regardez-moi la taille de cette langue de bœuf. Incroyable. Bonjour le diamètre. On en voit un autre en dessous. C'est la folie, hein. C'est spongieux. Ah, c'est ça, c'est tout spongieux. Il est énorme. Superbe. Allez, on va terminer, on arrive au bout là. On va s'enfuir un petit peu dans ce bois. Et puis, on va arrêter là.